physiquement, je me sens très fraîche. Moralement, je suis très heureuse, mais pour le moment, ce qui prédomine quand même, c'est un peu de tristesse parce que je suis quand même très triste que ça se termine et je suis un peu frustrée avec un petit sentiment d'inachevé, de ne pas pouvoir plus faire ce tronçon entre la Turquie et le Liban qui est la Syrie. Mais je pense que dans quelques jours, je vais réaliser que j'ai quand même relevé le défi. Je me souviens beaucoup du départ avec le marathon de Paris qui était une magnifique journée, mais il y en a eu tant d'autres après, très très beaux. Hein. J'ai eu une blessure alors que j'étais à l'entrée de la Hongrie, donc à peu près à 1000 km, et avec un diagnostic, on va dire, assez péjoratif de la part d'un médecin hongrois qui m'a dit « il faut arrêter », et qui était un mauvais diagnostic en fait, puisque après j'ai pris des habits en France. Enfin, j'ai quand même eu une blessure qui m'a ralenti un peu, mais fait étonnant. Étonnant parce que je suis médecin et normalement ce genre de blessure peut être handicapant entre 4 et 6 semaines. Et fait étonnant, ça m'a pris 3 jours pour tout récupérer et repartir comme une gazelle. J'ai eu quelques contacts difficiles quand j'allais chercher des sponsors, donc des gens qui m'ont fait croire qu'ils vont m'aider, mais finalement ils avaient d'autres intentions, donc ça c'est parce que voilà, ou peut-être qu'ils auraient pu faire les deux, m'aider, mais en retour, voilà, c'est dans ce sens-là. Après, pendant le périple, j'ai eu des problèmes avec un de mes accompagnateurs qui était venu quand même de San Francisco, mais pour moi, il venait pour l'aventure sportive et lui, il venait pas pour ça, donc la situation était très très compliquée. Mais sur le parcours, à part une ou deux fois où j'étais, voilà, j'ai rencontré des pervers, mais ça reste minime. Au contraire, les gens, ils regardaient avec beaucoup de respect, même si j'avais un tout petit short. Et quand j'ai choisi la destination Beyrouth, c'est vrai que même là, à travers mon parcours, je parlais souvent avec les gens et je me suis aperçue que ceux qui connaissent le Liban, ils le connaissent à cause de la guerre. Donc Beyrouth, c'est la guerre. Et c'est pour cette raison-là, quand j'ai décidé de venir à Beyrouth, j'ai dit la cause évidente, la plus évidente, c'est courir pour la paix, tout en sachant que c'est pas parce que je vais courir qu'ils vont faire la paix. Mais c'est une façon de dire, quand je dis je vais courir 5000 km, les gens, ils disent waouh, mais c'est pas possible, c'est insurmontable. Et ben, il y a des choses qui peuvent paraître insurmontables, mais qui sont possibles avec de la volonté. Peut-être que si tout le monde fait un petit effort, peut-être qu'un jour il y aura la paix, même si ça paraît utopique, comme mon projet.